coup, je m'appelle Margot Leclerc, j'ai 25 ans et je suis en BTM pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, traiteur au Céfral de Dunkerque. J'ai suivi un cursus scolaire traditionnel jusqu'au bac et ensuite, après le bac, j'ai fait des études d'infirmière pendant 2 ans et demi jusqu'au jour où j'ai dit stop, c'est pas du tout le métier que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de me lever le matin pour faire ça. Du coup, j'ai pris les choses en main et je me suis lancée dans la pâtisserie. C'est une passion que ma mère m'a communiquée très tôt dans ma jeunesse. Et je faisais toujours des gâteaux chez moi, toujours plus élaborés et travaillés. Alors de base, c'est ma passion, alors pourquoi pas faire de ma passion mon métier. Je m'en souviens, j'étais avec mon frère et en fait, il m'a juste posé une question simple. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Et j'ai répondu, j'aime voyager, j'aime la photographie et j'aime la pâtisserie. Et par élimination et par préférence aussi, c'est tombé évident que c'était la pâtisserie. Donc de là, j'ai fait des recherches sur comment on fait en fait pour devenir pâtissier. Et j'ai fait un CAP pâtissier à Lille, au lycée hôtelier international de Lille, en 2 ans. En alternance aussi du coup, et à la suite de ça, j'ai fait un CAP chocolatier confiseur au CFA de Tourcoing, et ensuite, donc actuellement, le BTM pâtissier à Dunkerque. Le CAP chocolatier à Tourcoing, il est assez réputé parce que le prof est vraiment très calé et très intéressant, il vit pour la chocolaterie et la confiserie, donc c'est vraiment super intéressant et passionnant de travailler avec lui. Et après, je suis partie à Dunkerque, malgré la route, parce que là, à ce niveau-là, le BTM pâtissier est beaucoup plus valorisé à Dunkerque et beaucoup plus intéressant à travailler. Le CAP, c'est le premier diplôme pour accéder au métier, en fait, le premier niveau, entre guillemets, grossièrement le plus simple et le plus basique. Après, si on veut pousser dans le travail et s'améliorer, il faut partir sur des autres diplômes. Après, il y a aussi la mention complémentaire et après, le brevet de technique des métiers. En fait, l'avantage avec le CAP pâtissier, c'est que ça ouvre un choix des possibles assez large. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie me spécialiser en chocolaterie confiserie. Et à la suite de ça, un BTM, pour le coup, qui est large, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, traiteur. Mais on peut aussi faire un BTM chocolatier, confiseur ou un BTM glacier. Un CAP glacier aussi, je peux aussi rattraper une mention complémentaire sommellerie, je peux encore partir en cuisine. Finalement, presque tous les métiers de bouche sont ouverts tant qu'on a un pied dedans en fait. Donc la pâtisserie, c'est pas bridé, c'est vraiment ouvert. On peut vraiment faire ce qu'on veut et découvrir des choses. J'ai découvert le chocolat en deuxième année de pâtisserie et je me suis dit ok, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, je vais faire 1 an dedans et après je repartirai vers la pâtisserie parce que c'est mon projet final. J'ai envie d'ouvrir ma boîte à l'étranger et je suis en train de bosser dessus depuis 1 an et demi parce qu'il faut que je rende un mémoire pour le BTM. Et donc le sujet de mon mémoire, c'est l'ouverture d'une entreprise de pâtisserie à l'étranger, plus spécialement en Australie. C'est ça qui m'a plu dans le métier de pâtissier, c'est que il est mondial en fait, et particulièrement quand on est pâtissier français. Là, on brille aux yeux des étrangers, on a une vraie valeur dans le monde et ça fait plaisir. C'est vraiment compliqué comme question, mais je vais répondre peut-être un truc hyper cliché, mais c'est le tiramisu de ma maman. Pareil, c'est une question super compliquée. Je sais que je déteste faire des tartes aux pommes, parce que c'est long pour pas grand chose. Mais c'est bon à manger, mais ça prend trop de temps. C'est une chanson d'un groupe lillois qui s'appelle 10 de Der, et la chanson c'est Dernier rêve. Et sinon, fun fact, j'adore le sunlight des tropiques. Peaky Blinders, c'était très bien. J'adore la pâtisserie, ouais, mais j'adore aussi beaucoup voyager. J'ai déjà eu la chance de faire beaucoup de pays dans le monde, dans ma courte vie.